Bonjour à tous, nous retrouvons pour le troisième et dernier quintet de ce festival du galop sur l'hippodrome de Vichy, une épreuve extrêmement difficile. Il s'agit du prix Burgos qui a réuni 16 chevaux, des poulains et pouliches âgés de 3 ans sur la distance de 2400 mètres. Cédric, c'est la bouteille à l'encre. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on va essayer d'être moins mauvais qu'on l'a été dans les deux premiers quintets. Ça va être compliqué. Et, oui, je pense que... Le premier quintet, j'avais dit les deux offers. Hein. Bon, voilà, coup de Soukanos. Oui, vous aviez dit. Mais bon, c'était... Fallait suivre. Oui, voilà, bah, vous êtes un peu dangereux. Gangoum. Oui, voilà. Donc, on peut l'en placer une ou pas? Oui, oui. Vous auriez pu vous raser quand même, Dominique. Des raseurs, je vais en avoir beaucoup ce soir. Ouais, vous avez trondu plus d'un client d'ailleurs. Donc, j'aime bien les deux pensionnaires de notre ami Christophe Ferland, le 2 Get Shorty et le 3 Bellariva. Bellariva que je ne condamnerai pas sur la dernière course. Donc, voilà pourquoi je vous invite à vraiment faire grand cas de ces deux. C'est deux poulains qui sont pour moi perfectibles. Je vois pas Christophe Ferland venir du tourisme ici. Il faut pas. Comme l'an dernier, c'est le tenant du titre avec Lettre de Château, cher Cédric. Et oui, il y avait une jolie cote et je pense que jeudi aussi il va y avoir une jolie cote. Et j'aime beaucoup en bas le numéro 15, Light Edition, entraînement d'Henri Lexpental. Je sens quelque chose là, à ce sujet. D'autant que je vais vous donner un élément important, c'est que initialement, à 10h30, il y avait 14 partants. Et je pense qu'un ou deux socios professionnels ont dû s'étonner du nombre de partants et ont demandé à être en première épreuve. C'est plutôt un bon indice et je pense que la vérité, du moins la cote, peut venir du bas du tableau. Pourquoi pas le 15 Light Edition, qui est un poulain selon moi perfectible, ou le 16 Siège en plein progrès. C'est vrai. Alors, c'est marrant, dans cette course-là, il y a 3 poulains qui n'ont jamais gagné. C'est le cas de Light Edition. C'est le cas du chapé de service parce qu'il y en a un, Salmon Please. C'est le cas également du 12, Pirata Tesoro. Les 3 chevaux dont je viens de parler n'ont jamais gagné, sont plutôt correctement traités au poids puisqu'ils sont toujours médailles et sont bien placés à la corde. Salmon Please, je ne suis pas sûr qu'on ait fait cadeau de la valeur quand même, hein, 37,5, quelque chose comme ça. Ça me paraît beaucoup pour un poulain qui n'a pas pu gagner un petit médaille. En région parisienne, sur la distance. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un cadeau, mais c'est vrai que c'est un indice quand même important. C'est-à-dire qu'on pouvait courir Méden et on préfère courir handicap. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est la grande semaine. On va essayer de faire plaisir aussi aux propriétaires. Donc, je suis un peu vigilant à ce propos. Si je résume bien, on prend en base les deux Ferland et on rajoute le Pantal. On fait une longue, des croix derrière. On investit un petit peu, on flexit 25%. Ça nous coûte quoi? Vers 50 euros, 60 euros? En multi 5 ouais, on peut éventuellement. Ah. Moi, j'ai une jument que j'aime bien là-dedans, c'est Mirabel. Ah oui, oui. Mirabel, qui m'a gagné en pleine forme. La distance, c'est OK. Les œillères, là, ça d'accord, c'est magnifique. Et ben, éventuellement, comme ça, on n'a pas besoin de faire de champ réduit. On fait 6 ou 7. C'est magnifique. Salut.